Good morgen, allez, Idan Netus aujourd'hui, le Nishmat Rey Esther Bat Miram, ainsi que le Rufuat Olivier Israël Shimon Ben Esther, Khamshat Miramat Ozelena, Ebibin Ben Khibiva, Victor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi devenir une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet et Rubin, Perigva et Mishnachet. Khamesh Khatserot, Ptuchot Zulezu. Ou Ptuchot le Mavoy, Ervu Bachatserot, Velo Nishtatfu Bamavoy, Mutarin Bachatserot, Vasurin Bamavoy, Vim Nishtatfu Bamavoy, Mutarin Kanavekan. Mishnah qui va nous qui requiert d'introduire d'abord les notions de plus précisément de ce qu'est un Eruv Chatzerot et Shitufei Mevoot. Je vous annonce tout de suite que la Mishnah en elle-même, elle est lisible, on peut la traduire et la comprendre facilement. Le problème, c'est que la Gemara, elle a fait interférer plusieurs halakhot pour en fait expliquer du coup un pirouche de Mishnah assez complexe. D'abord, j'ai introduit les notions. Après, je vous propose la lecture simple et puis après, on précisera tout ce que le Bartanur est allongé en fait. Tout d'abord, il y a le principe d'abord de Eruv Chatzerot. Dans une cour, on est au moins deux habitants, trois habitants, plus. Et on a tous notre domaine privé. Et puis, on a envie de porter maintenant dans la cour, de pouvoir sortir nos affaires depuis notre maison jusqu'à dans la cour pour porter, que les enfants ils puissent sortir leurs jouets et jouer dans la cour commune. Alors, dans ce cas-là, on doit faire un Eruvei Chatzerot. Enfin, un Eruv Chatzerot, on va prendre un pain et chacun va donner un pain, on va tous le mettre dans une maison d'un des habitants. On va exprimer par là qu'en fait, on est tous devenus une seule grande famille, une seule grande ambiance, on est tous, on partage tous, on est tous en copropriété surtout en fait. On a aboli, on a fait tomber les barrières du domaine très privé au domaine plus ou moins public. On est tous devenus un grand domaine public, on s'est tous associés. Ça c'est pour le Eruv Chatzerot. Shetuf Mevoot, la Mavoy c'est l'impasse. C'est le même principe exactement, sauf que ça, on va l'appliquer un petit peu de manière plus permissive. C'est-à-dire, on avait déjà expliqué qu'on a la grande rue, c'est le Reshut Arabim. De la grande rue sortent des impasses, qui sont en général en forme de U. Donc ils ont déjà trois murs, il faut les fermer en leur ajoutant un Lechi ou une Kora. Mais en plus de ça, pour qu'on puisse pouvoir porter, il faut leur faire une nouvelle sorte de Eruv. Qu'on n'appelle pas ça le Eruv Chatzerot, parce que c'est pas un Chatzer, c'est pas une cour. C'est un Shitufei Mevoot. C'est le Mavoy, Mavoy c'est une impasse. On va être mishtatev dans le Mavoy, c'est le même principe, on va s'associer dans le Mavoy. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre toutes les cours maintenant. Donc on a dit, il y a la voie publique. L'impasse, et de l'impasse, il y a plusieurs cours. Les cours en elles-mêmes, chacune d'entre elles, va faire le Eruv Chatzerot, indépendamment. Maintenant, pour qu'elle puisse aussi pouvoir porter dans le Mavoy, dans l'impasse, il faut qu'elle s'associe aussi dans le Mavoy. Toutes les cours vont devoir maintenant donner. Alors, on peut aussi donner un pain, mais on peut aussi donner du vin. Chose qu'on ne pouvait pas faire dans les cours. On a une coula supplémentaire dans le Mavoy. Puisque le Mavoy, il est moins strict, quelque part. On a été moins strict avec le Mavoy. On l'utilise moins, le Mavoy, c'est plus un lieu de passage. Donc du coup, Khamim, ils ont été plus permissifs. C'est pas la peine de faire une grosse association. On peut même se contenter de mettre du vin, mais on peut aussi mettre du pain. Il s'avère que maintenant, on a deux choses qui sont très semblables. Il y a les Eruv Chatzerot. On rend notre cour commune en une grande copropriété où on est tous associés dedans, et les maisons aussi avec. On a aussi le Mavoy, que on s'associe dans le Mavoy, aussi chacun il va donner soit du pain, soit du vin, pour tous le mettre, après on va le mettre dans une cour de chez quelqu'un, et comme ça on va exprimer que maintenant tout ce grand Mavoy c'est devenu aussi une seule grande propriété associée à nous tous. Il s'avère que c'est exactement le même principe en théorie. Mais pire que ça, si c'est le même principe, alors ça signifie qu'on pourrait même se contenter, en fait, théoriquement, de faire juste, on fait le shitouf mevoot. Allez, prenez du pain, comme ça on le fait parfaitement, dans le mevoy, dans l'impasse, on va tous s'associer dans l'impasse, et quand on s'associe dans l'impasse, on exprime par là qu'on est associé à la fois dans l'impasse et dans les cours. Donc en fait, au lieu de faire à la fois le eruv chatzerot et le shitouf mevoot, on pourrait se contenter, en théorie, de faire le shitouf mevoot. Et effectivement, la halakha cautionne. Que si toutefois on s'associe avec du pain dans le Mavoy, alors on s'acquitte, c'est plus la peine de faire le Shitu, le Eruv Chatzerot. Mais c'est comme ça, et
Du coup, on a un des commentateurs dans les Tosot Hadashim qui propose d'expliquer comme ça les mots compliqués de la Mishnah. On y arrivera sur la Mishnah. Qu'en fait, si on s'associe que dans le Mavoï, mais avec du pain, pas avec du vin, puisque maintenant tu as envie de permettre les cours, et une cour on la permet que en s'associant dans le Hiruv Hatzerot, c'est que en fait donnant un pain. Alors si tu décides de faire le Shitouf Mevohot, d'être Mishtatef, de t'associer dans le Mavoï avec du pain, eh ben ça va englober aussi, ça va associer, on va associer par là toutes les cours, ce ne sera plus la peine de faire dans les cours. D'accord? On a presque tout dit. Si ce n'est le fait que, malgré tout, il y a une certaine insistance dans la Mishnah, c'est retenu dans la Halakha, qu'on ne se contente pas de faire juste un seul des deux. On fait à la fois les Hiruv Hatzerot et aussi les Shitufei Mevohot. Au moins, quand on fait le Shitouf Mavoï avec du vin, alors c'est sûr qu'il faut faire au moins le Hiruv Hatzerot et le Shitouf Mevohot. Il faut au moins faire les deux dans cette situation. On en reparlera plus dans la Mishnah, en fait, mais du coup, ça. Puisqu'en théorie, on s'acquitte en s'associant, qu'on va s'associer dans le Mavoï, c'est-à-dire, vous imaginez bien, j'essaye d'exprimer un petit peu plus ça. Imaginez que moi, il y a ma petite maison privée, il y a mon entrée d'immeuble, il y a l'ensemble de toute la résidence où on habite, là, tous ceux qui sont dans le même immeuble, mais aussi tout mon quartier. Ce que je veux exprimer par là, c'est que si je m'associe avec tout mon quartier, ben je me suis associé avec tout mon quartier, avec la maison d'en face, je me suis aussi associé par la même chose avec tous les voisins qui habitent chez moi, dans mon immeuble. D'accord? C'est englobé, c'est inclus dans la même association. C'est le même principe. Si tu t'associes dans le même voie, eh ben forcément, ça inclut que toutes les khatserot, ils se sont aussi associés. Donc en théorie, ça devrait marcher. Seulement, il y a une petite insistance de peur qu'on va oublier à la longue. De faire les Hiruv Hatzerot et Shitouf Mevot, on t'a demandé de faire Hiruv Hatzer et Shitouf Mevot. D'accord? Et on commence à expliquer la Mishnah maintenant. La Mishnah, je vous dis tout de suite, il y a des mots un petit peu dérangeants pour la Gemara. Pour la Mishnah, on peut la lire parfaitement et la comprendre parfaitement. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire d'abord. Ce ne sera pas comme le Bar Tanora, après je vous expliquerai qu'est-ce qu'il a fait le Bar Tanora, en fait, pour plus englober d'autres halakhot. Chamesh Hatzerot Ptuchot Zulezu. On a cinq cours qui sont ouvertes une à l'autre. Uptuchot le Mavoï. Et en plus de ça, elles sont même ouvertes au Mavoï à l'impasse. C'est-à-dire, vous vous rappelez l'impasse qu'on a parlé? Imaginez qu'il y a cinq cours qui sont là. Les cours, elles peuvent passer d'une à l'autre en traversant le Mavoï. Mais même mieux que ça, elles peuvent aussi faire le tour des cours entre elles. Parce que chaque cour, elle donne à une autre cour avec une porte. Donc du coup, les voisins, ils vont pouvoir entrer dans la cour de l'un, dans la cour de l'autre, et comme ça arriver aussi de l'autre côté. D'accord? Donc en fait, vous avez retenu, il y a cinq cours qui entourent le Mavoï. Et les cours, elles sont toutes ouvertes. Le Bar Tanoura, je vous dis tout de suite, il va supprimer les mots Ptuchot Zulezu, il va supprimer ça. Mais pour le moment, nous, on explique la Mishnah telle qu'elle expliquée, ou Ptuchot le Mavoï. Et donc, les cours, elles sont ouvertes entre elles, et elles peuvent aussi communiquer, et elles sont ouvertes aussi sur le Mavoï, sur l'impasse. Alors la Mishnah m'enseigne, « Ervu b'chatzerot velo nishtatfu b'mavoï » Si toutefois ils ont fait le Hérouv Hatzerot, c'est-à-dire que les cinq cours, chacune, elle ne s'est pas juste associée à part. Elles se sont même associées toutes les cinq ensemble en faisant le Hérouv Hatzerot avec les maisons intermédiaires, comme ce qu'on a expliqué. Mais elles n'ont pas englobé dans leur association le Mavoï. C'est-à-dire qu'en théorie, apparemment, vous allez me dire, je ne comprends pas. Ben ça y est, on est tous venus un seul grand habitant. On est tous associés maintenant dans ces cours. Dans l'impasse, il n'y a plus que nous, donc pourquoi ne pas entrer dans le Mavoï? Eh bien, la Mishnah me dit non, malgré tout, Moutarin Bachatzerot va sourire même Mavoï. Ils seront permis dans le Khatser, ils ont le droit de faire passer des objets d'un Khatser à l'autre, les faire sortir de leur maison, les faire passer aux voisins d'en face, mais ils n'ont pas le droit de les sortir dans le Mavoï parce qu'ils n'ont pas permis le Mavoï. Ils n'ont pas permis explicitement le Mavoï. Et je continue la Mishnah encore. Veim Nishtatfu même Mavoï, et s'ils se sont associés dans le Mavoï, par contre, alors comme ça, le Nimouké Agri, le Tosot Hadashim l'explique. Et pas comme le partenaire, je quitte le partenaire, je vous dis. Si toutefois, on ne s'est pas associé toutes les cours ensemble, on n'a fait aucune cour, on s'est juste associé dans le Mavoï, dans l'impasse, en s'associant avec un pain. D'accord? Pas avec la permission du vin, mais avec le pain. Eh bien, Moutarine, Kanuekan, on sera permis là et là. On aura le droit de sortir dans les cours et de passer d'une cour à l'autre, même de partir aussi dans le Mavoï, quoi. Pourquoi? C'est le principe qu'on a dit, que lorsque tu t'associes, si je m'associe avec tout mon quartier, alors, je me suis aussi associé avec les gens de ma petite résidence, et aussi avec les gens de mon entrée d'immeuble. Puisqu'on s'est tout le quartier, on s'est tous associés. C'est le même principe. Vous êtes associés dans le Mavoï, donc toutes les cours, elles sont tous devenues associées.
Vous pouvez les faire passer d'une cour à l'autre. Comme ça, c'est la Mishnah se tient debout, ça marche. Moutarin Kanvekan, donc ils seront permis là et là, on aura le droit de porter à la fois dans le Mavoy que dans aussi bien dans le Hazer. Si par contre on a fait juste le Shitouf Mavoy, on s'associe dans le Mavoy, mais avec du vin, comme les lois du Mavoy le requièrent normalement, alors le vin ne permettra pas d'inclure aussi les cours, parce que les cours, il faut s'associer nécessairement avec du pain. D'accord? C'est lié, je préfère pas manger plus que ça, c'est déjà assez lourd. Là, pour le moment, la donnée, elle est simple. Maintenant, il faut introduire le Bar Tanoura. Quand même, il faut rester fidèle à ce qu'il propose. Il y a un détail que je ne vous ai pas dit encore. C'est qu'en fait, lorsqu'on s'associe dans un Mavoy, il y a des halakhot précises qu'il faut qu'il y ait au moins deux cours qui s'associent, et que chaque cours ait au moins deux maisons ouvertes. Ok? C'est un minimum requis pour pouvoir faire un chitouf Mavoy. S'associer dans un Mavoy. Sinon, le Mavoy, c'est pas, on peut pas permettre le Mavoy. Du coup, il y a un problème. C'est que la Michelle me dit que vous vous êtes associés toutes les cours ensemble. Or, si vous êtes associés toutes les cours ensemble, alors vous ne pourrez plus faire de Mavoy parce que toutes les cours, elles sont devenues comme une seule grande cour. Vous vous rappelez l'histoire avec vous, il y a les cinq cours qui font le tour de l'impasse. Si vous êtes tous, vous avez déjà fait tous un chitouf mevot tous ensemble, c'est-à-dire que c'est devenu une grande cour, on ne peut plus permettre le Mavoy. D'accord? Suite à ça, il va falloir faire un petit peu des compliqués d'histoire. Alors la Michel, alors le Barthélemy me dit, donc ça va, plus que ce cas-là, ça va me poser la suite. Ça va me poser des problèmes pour la suite de la Mishnah. Il faut supprimer le Ptuchot Zolot. Comme ça, le Barthélemy nous explique. Et qu'en fait, on parle que les cinq cours, elles se sont indépendamment associées. Et la Michel est venue m'enseigner en fait une évidence. Si vous avez fait chaque cours s'associer indépendamment, mais elles n'ont pas fait, elles n'ont pas permis le Mavoy, et ben elles ne pourront plus porter dans le Mavoy. D'accord? Ok, c'est une évidence, mais pour résoudre des problèmes, c'est comme ça que le Barthélemy explique. Et du coup, lorsque la Mishnah arrive ensuite en me disant Vim Nishtatfu Mavoy, s'ils se sont associés dans le Mavoy, alors c'est qu'ils ont même fait aussi le Shitouf Mavoy, et dans ce cas-là, ils pourront aussi porter, c'est-à-dire que s'ils ont pas, ils ont. D'accord? Comme ce qu'on a expliqué en fait. Ça vient même, c'est juste que la Mishnah. Je préfère pas alourdir davantage, juste par fidélité au Barthélemy, j'étais obligé de mentionner le truc, mais on l'a bien expliqué aussi de toute manière. Et je continue maintenant sur la deuxième partie de la Mishnah. Ervu bachatzerot venishtatfu mamavoy. Là, on parle que on a tout fait tout ce qu'il fallait. On s'est associé dans les cours. Et on s'est associé aussi dans le mavoy. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le shachach, il y en a un qui a oublié. Alors, peut-être je le présente le cas à l'oral, comme ça ensuite qu'on va lire, ça ira plus vite. Il y a deux cas de figure. C'est-à-dire, on a tous chacun sa cour, les cinq cours. Chacun fait son chitou, son eruv chatzerot tout seul. À part ça, on s'est associé dans le Mavoy, mais il s'avère qu'il y en a un qui avait oublié de payer sa cotisation. Il n'avait pas payé son pain ou son verre de vin avec les autres. Et du coup, il y a deux cas de figure. Soit il ne s'est pas associé avec les gens de sa cour personnelle, mais il s'est quand même associé dans le Mavoy. Et là, la Mishnah va dire, ben là, dans ce cas-là, on va permettre. Selon tous les avis. Parce qu'en réalité, comme ce qu'on a expliqué, quand tu fais le rouf du Mavoy, en théorie, Tu as aussi dispensé les cours de Shitouf Mavoy, de Shidouf Ratserot. Parce que si je m'associe avec tous les gens de mon quartier, je me suis aussi associé avec les gens de mon immeuble, s'ils sont inclus dedans. Donc en théorie, ce n'était pas la peine de te demander les deux. Je t'ai demandé de faire les deux pour ne pas qu'on oublie, qu'à la longue, les gens ils vont oublier de faire aussi le Rouf Ratserot. On va perdre de la chôte. Donc du coup, je t'ai demandé de faire les deux. Mais en fait, les Rouf Ratserot, quand tu fais le Shitouf Mavoy, le Rouf Ratserot, il est purement symbolique. Du coup, on va se montrer beaucoup plus permissif. Lorsqu'il y en a un qui va oublier, on va fermer les yeux. Parce que de toute façon, il est associé grâce au Mavoy. C'est le principe de la Mishnah. Alors que s'il a fait le contraire, que s'il a oublié de s'associer dans le Mavoy, eh ben, hein, il va interdire le Mavoy aux autres, jusqu'à qu'il va annuler son reshoot, comme on a expliqué. Regardez, on fait tout ça dans les mots, et on complétera ensuite ce qui manque. Ervu bachatzerot, venishtatfu bemavoy. Ils ont tout fait. Ils ont fait les Rouf Ratserot. Ils ont fait le Shitouf Mevot. Ils sont associés dans le Mavoy. Mais quoi? Il y a eu un habitant des cours qui ne s'est pas associé. C'est-à-dire, il s'est associé dans le Mavoy, mais il ne s'est pas associé dans la cour. Moutarin, Kanvekan, tout sera permis. On ferme les yeux. Parce qu'en réalité, lorsqu'on s'associe dans le Mavoy, ça marche aussi pour le Khatser. Ouais? Si je m'associe avec mon quartier, ça marche avec les gens de mon immeuble. C'est le même principe. Donc, je t'ai demandé de le faire quand même pour ne pas que ça s'oublie. Mais si ça a été mal fait, on ferme les yeux parce que de toute façon c'est bon.
Par contre, si c'est le contraire, Mibne Mavoy velo Mishnishtatef, il y a eu un habitant du Mavoy, c'est-à-dire un qui n'a pas payé sa cotisation avec le Mavoy velo Mishnishtatef, il ne s'est pas associé. Alors là, le Mishnah me dit, bah, Moutarine Bachatzerot, ils auront le droit de porter dans les cours, bien évidemment. On va assurer une même Mavoy. Mais ils n'auront plus le droit de porter dans le Mavoy, dans l'impasse. Pour quelle raison? Shamavoy la Chatzerot qui Chatzer la Batim. Car l'impasse pour les cours a le même statut que la cour pour les maisons. C'est-à-dire, on va en fait du plus privé au plus public, en passant par l'intermédiaire qui est la cour. Au même titre que si on est trois habitants dans une cour, il y en a un qui oublie, il interdit aux autres de porter. Même principe, s'il y a eu une cour qui a eu un problème, qui ne s'est pas associée comme il fallait, elle interdit, elle qui n'a pas payé sa cotisation au Mavoy, et ben on ne pourra plus porter des cours jusqu'au Mavoy. Ok? C'est le principe. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.